face à la presse, Pascal Ogwe-Siphon est revenu sur les différentes étapes qui ont constitué la première édition de la caravane touristique du Gabon qui s'est déroulée du 15 juillet au 30 août dernier. Cette édition a rassemblé 1156 caravaniers et 2592 visiteurs, soit un total par définition de 3748 touristes à travers les circuits suivants. Circuit 1, Libreville-Lambarné-Fougamou. Circuit 2, Libreville-Muila-Lébamba. Circuit 3, Libreville-Gamba. Circuit G2, un parcours unique à travers l'Outaouais. Occasion pour le premier responsable du tourisme de revenir sur les perspectives stratégiques de cette caravane qui vient mettre en valeur le potentiel naturel du Gabon. Nous avons aujourd'hui quatre objectifs majeurs. Donner envie aux Gabonais de découvrir leur pays, entraîner les Gabonais à pratiquer le tourisme, donner envie aux étrangers de découvrir le Gabon, entraîner les touristes étrangers à pratiquer le tourisme au Gabon. Pascal Ogwe-Siphon a profité de cette cérémonie pour présenter le logo de la caravane touristique ainsi que la barge flottante qui sera un équipement national au profit des opérateurs.